cette année, nous sommes 17 avions, tous ne sont pas encore arrivés, et ça représente à peu près une 45 personnes. De combien de nationalités ? Alors essentiellement français, mais nous avons également une personne qui est belge, un américain et deux suisses. On cherche à honorer l'histoire de ces pionniers qui ont eu beaucoup de courage à l'époque. C'était très compliqué, c'était très difficile avec les moyens de l'époque. Et donc notre action consiste à honorer la mémoire de ces gens-là qui ont réalisé des exploits dans les années 20 et qui ont été des héros, on peut dire, comme Mermoz, Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, etc. C'est un défi, c'est encore un défi, parce que vous voyez, on est soumis par exemple au mauvais temps, comme il l'était également. Aujourd'hui, on a eu des très très mauvaises visibilités entre Noidibou et Nouakchott. Et bien voilà, c'est très gênant, c'est un peu compliqué, et ils avaient les mêmes problèmes que nous. Mais aussi, vous comptez faire des actions humanitaires. Nous faisons aussi des actions humanitaires, notamment nous transportons des médicaments. Nous transportons également des fournitures scolaires. C'est une séance de baptême de l'air pour des enfants de Saint-Louis. Une cinquantaine d'enfants vont prendre l'air et voler au-dessus de Saint-Louis avec quatre avions de l'organisation, avec quatre pilotes dont je ferai partie. Merci, monsieur.